Salut à tous! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de mon petit frère. Coucou, c'est Bamio. Et on va faire le Nasty Jelly Bean Challenge version Harry Potter. J'ai acheté les dragées surprises de Bertie Crochu. Donc on va manger. Alors en fait, moi je suis Bernadette Chirac et c'est ma boîte à pièces jaunes aussi. Donc En plus, c'est bientôt, non? Ouais, en plus. On est dans les thèmes, c'est bien. Mais c'est vrai que vous avez pensé aux boîtes jaunes, non? Un peu. Si, ouais. Bon, moi je te laisse ouvrir, c'est toi qui as payé. Voilà, les dragées de bus, super. Allez les chercher à Londres. Non, c'est comme les. C'est comme les jelly beans. Tu connais pas les jelly beans? Jelly beans. Je connais juste Mr. Bean. Mais... c'est au hasard. Même la couleur, ça veut rien dire. Je ne sais pas. J'ai peur. Bon, t'es prêt? Ça va. Moi j'ai une espèce de blanc avec qui. Moi j'ai un bleu, il a l'air tellement bon. Je sens que je vais me faire niquer, t'es prête? C'est peut-être antifrissant. Ah c'est trop bon. Je sais même pas ce que c'est Barba Papa, bizarre. C'est pas bon? Je sais pas. Mais moi c'est excellent. En fait je pense que c'est plus la peur que ce soit pas bon. Je sais pas ce que c'est. C'était quoi toi? Je sais pas mais c'était trop bon. C'était excellent. On aurait dit un Barba Papa chelou, bien. Non, on aurait dit un caramel je crois. Ah ouais peut-être ouais. C'était un nougat. Mais ouais un truc comme ça ouais. Un bonbon. Mais si on a eu que des bons, ça va pour l'instant. Ouais. Non, ça c'est pas bon. Bah je sais pas. je sais pas, c'est bon. Ah non. C'est pas bon. Non, c'est pas mal. C'est quoi? Je sais pas ce que c'est, mais c'est vraiment dégueulasse. Mais je le sens dans mon haleine. Oh, ça pue sa mère! Arme chimique! Allez, je vais prendre un bleu avec toi. Vas-y. C'est bon. J'ai trop de chance. Mais ça se trouve, en fait, tu sais, je me tape une crotte de chien et tout, mais en fait, j'aime bien, ça se trouve. Vas-y, je te prends en rouge. Ah, c'est trop bon! C'est trop bon. Celui-là c'est fraise. Oh, moi c'est comme le premier. Je sais pas c'est quoi. Un nougat, c'est nougat. Oh c'est joli Noël. Vas-y. Yes. Citron. C'est trop bon. C'est fraise. Non cerise, fraise, cerise. Mais toi tu tombes que sur les trucs bons. Prends les trucs avec les petites taches là. C'est normal, c'est juste que j'ai de la chance. Hein. C'est bon. Mais excellent aussi. Mais bon. Moi j'en ai eu deux. C'est nougat encore. Je ne dirai pas à quoi ça ressemble. Vas-y. J'en ai aussi un jaune tacheté, tu vois. Ouais, mais les moins jaunes, quoi. Toi, ouais. Tu vas taper un truc dégueulasse. Ah. Non. Non, c'est pas bon. J'ai cru que ça allait être dégueulasse, mais en fait, c'est un goût de citron, je sais pas quoi. Ah mais t'as trop de chance toi aussi. Moi, je crois que c'est vers de terre. Tu sais on dirait que je suis en train de bouffer de l'herbe. Ouais de l'herbe et de la terre quoi. Ah. Non je sais pas, eh, mais j'ai trop de chance. Vas-y un rose. Un bleu. Barba Papa. Merci. Un truc comme ça. Ouais c'est gros, j'ai les dégueulasses moi. J'en ai marre, on va finir le paquet. J'en ai... Ah lui il a l'air pas bon lui. Et des taches, on dirait une vache. Vas-y, moi je prends un verre. Et ça se trouve, c'est moi qui ai pas d'odorat. Hein. Ça me fait sentir ton haleine. Ça sent bon, ça va? Ouais, ça sent le nougat. Bah ouais, mais c'est encore nougat. Elle orange. Vas-y, moi j'en prends un verre un peu chelou là. Tu sais, il fait peur. Il est pas bon? Crotte de... si on dirait un caca. Pastèque. Oh yes. Ouais, de la pâtée, je pense, pour chien. Je sais pas. Sentir. Ouais, c'est de la pâtée pour chien. Ouais, moi je te vois, c'est bon. C'est bon. Tac, c'est dégueulasse. Mais, enfin, franchement, par rapport
Il y a des filles, elles arrivaient pas à avaler et tout, finalement, bon... Forcément, tu penses pas où et là, t'as mal. C'est ça. Vous y arrivez pourtant d'habitude, les filles. Tu penses pas que t'as mal. C'est dégueulasse. Pas sec encore. Je dirais œuf, un truc comme ça. Fais gaffe parce que c'est œuf pourri. Hein. Ah ouais? Moi j'aime bien. Un marron. Je prends les trucs qui ressemblent à des trucs caca parce que comme ça... Moi j'ai un espèce de rouge tacheté. Ah là il est dégueulasse. C'est quoi? Ah non! Mais je sais pas, mais en fait tu peux pas... Ah de la terre, un truc comme ça. Ah c'est... L'arrière-goût, après tu dis au début, oh, ça passe, je vais l'avaler. Et en fait, après, t'as l'arrière-goût qui arrive. Tu peux pas, c'est psychologique, tu peux pas avaler ce truc. Non, c'est bon, moi, c'est bon. Allez, j'enchaîne. Bleu. Ah, tu les enchaînes, toi. Oh, c'est bien acide là. Vert. Mais c'est bon. Vert. Je sais pas, c'est quoi. Citron, citron, citron. Ah, c'est dégueulasse. C'est quoi? Attends, laisse-moi le goût, l'arrière-goût arriver. Ah mais en plus ça fait mal, ça pique sa mère. Y'a quoi comme goût en fait? Je sais pas. Y'a pas marqué? Ça m'a marqué. Ah si. Non, c'est tous les ingrédients. Mais sur le truc, il y avait la fiche. Mais Eh si, y'a un papier. Mais attends. Ah, bon, on voulait pas savoir ce qu'il y avait, mais finalement on a le descriptif. Moi je vois un peu. Vous voyez pas très bien, mais... Hein? C'est vomi. Ah bah c'est ça que j'ai mangé tout à l'heure. J'ai mangé du vomi tout à l'heure. C'est vraiment un goût de savon en fait. Oh bah c'est dégueulasse. Mais bon. Mais pourquoi? Pourquoi on prend les dégueulasses aussi? Je sais pas, c'est bien ma question. Citron. Petit petit. Et retourne en Angleterre, il n'y a plus de verre de terre là. Pas verre de terre ça. Ouais. Ouais. Oh ouais. Oh. Oh ouais, c'est vénère. Y'a pas un bon là? Vert. C'est pomme. Pomme verte. Pour passer le goût un peu, monsieur. Moi j'ai un espèce de jaune tacheté là. Ouais, pomme c'est pas mal. Bon, moi je prends les atrisphères, allez, au revoir. Bah, tiens, tu prends le rose. Dégueulasse. Tutti frutti. C'est bon? Tutti frutti. C'est vraiment un mamalabar à la barre en fait. Mais alors, marshmallow? Ouais, marshmallow, ouais. Là, je sais plus. Il a peur maintenant, il a plus confiance. Hein. On aurait pas dû regarder, du coup, j'ai plus confiance. Non, mais en plus, maintenant on sait, donc on sait ce qu'on veut. Tutti frutti, apparemment, c'est bon. Et il faut que j'arrête de regarder le retour. Malu, j'ai déjà eu. Mais en fait, c'est ça que tu devrais faire. Tu dois mettre le sachet chez toi. Tu laisses les gens piocher dans les bonbons. Ils prennent au pif. Et... Ils peuvent tomber sur des goûts sympas. Je sais si t'es vraiment méchant. Et après, tu peux plus cracher parce que t'es chez les gens. C'est ça. J'espère quand même que ce challenge vous aura plu. Hein? Ouais. N'hésitez pas à nous donner vos défis en commentaire, peut-être que j'arriverai à traîner cet énergumène avec moi. Non? Ah, on va manger une cuillère de paprika là comme ça, enfin de cannelle. De cannelle? Le cinnamon challenge? Ah oh, non, ça je peux pas ça. Ça tu peux en crever en plus ça. Je crois que personne ne peut ça. Mais n'hésitez pas à donner vos challenges en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à faire un tour sur la chaîne de Bagno95. Si tu veux, je te mettrai un encadré là. Comme ça. Ok, je bouge pas. Voilà. Vous cliquez ici. C'est bon. Ah ouais, vous n'écrivez plus là. Vous pouvez plus. Et moi, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.